Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Comme vous avez remarqué, madame le maire nous a quittés momentanément car elle doit être présente dans une autre réunion, mais sera là parmi nous. Elle m'a chargé de la présenter et donc nous allons commencer notre conférence de cet après-midi. Lorsqu'on connaît Madame Sylvie Patin, je pense que le minimum de courtoisie ou de politesse doit nous dicter de ne rien dire, car on doit l'écouter davantage. Je pense que vous avez vu l'excellente communiqué de presse de la commune qui parle de nos programmes de conférences et des cycles, et avec un résumé assez riche, assez succinct de la présentation pour carrière de notre invité ce soir. Donc je ne vais pas m'y attarder, simplement en revenant ici, il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention, donc je partage mes sentiments et ma vision avec vous à chaud. En venant ici, en pensant à notre conférence, madame, j'ai constaté que 4 hommes avant vous ont parlé des sujets divers et variés. Donc 4 hommes vous ont précédé. Et par un jeu du hasard, 4 autres hommes vont vous suivre. Donc le mot 4 m'interpelle et je vais vous dire pourquoi. Bien sûr, 4 hommes qui ont traité des sujets très divers et variés. Bon, le point commun, ce sont des hommes. Mais un autre point commun, c'est qu'on a traité les sujets très médiatiques, des sujets d'actualité, des sujets de tous les jours, parfois des sujets un peu lourds, qui déchaînent parfois les passions, peut-être un peu le but recherché. Et quelle chance d'avoir aujourd'hui parmi nous une femme qui nous parle d'un sujet apaisant, d'un sujet de rêve, d'un sujet qui est utile dans notre monde de brut. Attention, quand je dis les hommes, c'est absolument pas péjoratif, car il s'agit des hommes d'une très grande expérience, des hommes qui sont experts dans leur domaine. Et sous l'égide de mon ami Vladimir, nous sommes très optimistes à la poursuite de nos cycles de conférences pour les années à venir. Madame, vous allez nous parler des impressionnistes, de l'impressionnisme et du jardin. Lorsqu'on parle du jardin, on parle de la terre. Lorsqu'on parle du jardin, on parle de l'eau. Lorsqu'on parle du jardin, on parle de l'air. Lorsqu'on parle du jardin, on parle du soleil, de la lumière, de l'énergie. Encore 4 éléments. Dans des civilisations anciennes, on croyait à ce qu'on appelle l'harmonie des 4 éléments. Or, cette harmonie est garant d'un équilibre dans notre existence. Cette harmonie est indispensable lorsqu'on parle de la terre nourricière, la terre à qui on doit notre existence, la terre qui nous a nourris et qui encore nous nourrira pour des siècles à venir, malgré le mal qu'on lui fait. Lorsqu'on parle de l'eau, symbole de transparence, de la pureté, symbole de cette vision de l'avenir, mémoire de l'eau, de la transmission. Lorsqu'on parle de l'air, troisième élément, on parle de l'art de sentir, on parle d'être dans ce qu'on appelle l'intuition d'une vie à venir. L'air qu'on respire, que ce soit le secret, que ce soit l'enthousiasme, que ce soit le partage, que ce soit la communion. Et pour la fin, quand on parle du soleil, l'énergie, la lumière, le feu, bien sûr, symbole de, encore une fois, de cette force, de l'intelligence,
la chaleur qui n'a pas entendu parler des flammes, flammes de l'amour. Regardez tout simplement une flamme. Une flamme ne va jamais vers le bas. Quelqu'un a vu une flamme qui va vers le bas? Non, jamais. Une femme préfère s'éteindre, préfère mourir que d'aller vers le bas. Une flamme va toujours vers le haut pour atteindre le zénith, pour atteindre peut-être le soleil. Or, quel sujet extraordinaire avec le mot jardin qui englobe les quatre éléments avec l'harmonie de quatre éléments. Chère madame, permettez-moi de vous dire que peut-être le jardin englobe les quatre éléments et l'impressionnisme qui lui donnera peut-être l'équilibre dont on attend tant. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir et encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à votre écoute. Merci à vous. Chère Sylvie, nous sommes tous vos admirateurs. Merci d'être là. On a hâte de vous écouter. Allez-y. Je remercie. Il est branché? Il faut rapprocher. Oui. Voilà. Je remercie beaucoup Vladimir Fedorovski qui, le premier, m'a demandé de faire partie de ce cycle de conférences et bien sûr la mairie de Touk qui s'est chargée de toute cette organisation et qui nous accueille aujourd'hui. Le thème, évidemment, les impressionnistes et le jardin, les deux mots sont magnifiques, l'impressionnisme, le jardin, mais il s'inscrit, et j'ai bien regardé la documentation de Vladimir Fedorovski, ce thème s'inscrit dans un cycle de conférences qui sont appelées conférences littéraires et politiques. Donc c'est très bien, car en traitant ce sujet des jardins, j'ai toujours fait attention de beaucoup m'intéresser à la littérature de l'époque. Et le premier texte d'ailleurs que j'avais publié, c'était en 1985 dans le catalogue de l'exposition L'impressionnisme et le paysage français, en trouvant souvent que les jardins n'étaient pas assez évoqués pour eux-mêmes. C'est aussi ce qui se passe d'ailleurs à Giverny, où nous avons évidemment des peintres, des historiens d'art qui viennent, mais aussi des amateurs de jardins. Le jardin, il y a une très belle expression de Louis Aragon dans Le Paysan de Paris, qui dit que tout le bizarre de l'homme et tout ce qu'il y a en lui de vagabond et d'égaré, sans doute, pourrait tenir dans ces deux syllabes « jardin ». Donc il y voit une chose assez étonnante, enfin assez fantasque. J'ai un problème d'ordinateur, car il n'a pas été déverrouillé, je crois que c'est là, mais il me l'a bloqué, parce que justement, d'habitude, je peux l'avancer. Il m'a dit qu'il le ferait au dernier moment, mais... Oui, là, je suis comme tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Les jardins, au XIXe siècle, c'est un thème dans la peinture, un thème très important, et c'est en fait, cette conférence, c'est un petit peu les jardins qui sont peints par les peintres et les jardins de peintres, car ils ont très souvent peint le jardin dans lequel ils ont vécu, aimant à vivre souvent dans une maison avec les jardins. L'importance des jardins, elle est montrée d'ailleurs depuis les siècles précédents, elle est montrée par tous les peintres qui se sont intéressés à la peinture de jardin, elle est montrée au XVIIIe, Fragonard, elle est montrée aussi au XIXe, le peintre Corot, et la preuve en est que Corot, qui a été le maître de Berthe Morisot, qui avait peint les jardins de Boboli, depuis la terrasse de Florence, ici. Eh bien, ici, vous voyez cette copie qu'en a faite Berthe Morisot alors qu'elle travaillait, elle prenait ses premières leçons avec Corot. Donc, vous voyez justement que les jardins ne sont pas un thème anecdotique dans l'impressionnisme, ils sont vraiment très présents. Pour les peintres, il y a une très belle expression de Maupassant en disant justement que ce sont des voyages de noces avec la terre qui vient de vous être évoquée. Alors, je vous lis le texte qui était extrait de la nouvelle, des contes et nouvelles de Maupassant, de Miss Harriette, en 1884, et qui vous montre la personnalisation. Maupassant va jusqu'à personnaliser la terre. C'était l'automne. Des deux côtés des chemins, des champs dénudés s'étendaient, jaunis par le pied court des avoines et des blés fauchés qui couvraient le sol. Le soleil enfin se leva devant nous,
tout rouge au bord de l'horizon, et à mesure qu'il montait, plus clair de minute en minute, la campagne paraissait s'éveiller. Sourire, se secouer et ôter comme une fille qui sort de la nuit sa chemise des vapeurs blanches. Ce qu'on aime surtout dans ces courses à l'aventure, c'est la campagne, les bois, les levées de soleil, les crépuscules, les clairs de lune. Ce sont pour les peintres des voyages de noces avec la terre. On est seul, tout près d'elle. Dans ce long rendez-vous tranquille, on se couche dans une prairie au milieu des marguerites et des coquelicots, et les yeux ouverts sous une claire tombée de soleil, on regarde au loin le petit village avec son clocher pointu qui sonne midi. Évidemment, cette lecture de Maupassant prend tout son sens ici en Normandie, et vous verrez que dans certains tableaux, on voit justement ce clocher, le clocher du village qui dépasse dans les jardins. Alors, qui dit jardin dit évidemment la présence des fleurs. La présence des fleurs dans la littérature, elle est très bien évoquée, ce langage des fleurs, dans les deux dernières strophes d'Élévation de Baudelaire, lorsqu'il est écrit en vers, « Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut, d'une aile vigoureuse, s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Celui dont les pensées, comme les alouettes vers les cieux le matin, prennent un libre essor, qui plane sur la vie et qui comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. » Alors, après ce petit préambule sur l'importance du mot jardin, de la terre, de la campagne, qui a été très aimée par les peintres, cette conférence, je l'ai un petit peu organisée en chapitres selon les familles de jardins, les jardins historiques, les jardins de légende, les jardins d'agrément et les jardins fleuristes, les jardins d'ornement qui sont évidemment les plus importants pour les peintres, les jardins d'utilité avec les potagers, les vergers, les jardins d'intérieur qui ont souvent associés à l'hiver, à une présence féminine, les jardins de pierre, les jardins d'éternité avec les cimetières, les tombes. Et vous avez fait un petit peu le tour de tous ces jardins peints par les peintres, les impressionnistes au 19e. Jardin historique, un des premiers jardins qui faisait partie des sept merveilles du monde, c'était les jardins de Babylone, les jardins classés dans les sept merveilles du monde, et qu'on a attribué à Nabucodonosor ou à Sémiramis. Or, précisément, Degas, au début de sa carrière, a fait cette peinture de Sémiramis devant les jardins de Babylone, et cette peinture est conservée au musée d'Orsay et elle est un petit peu inattendue chez un peintre qui n'a pas vraiment beaucoup célébré l'extérieur. Nous allons le retrouver par moments, mais très peu, car il était plutôt un peintre d'intérieur. Alors les jardins d'agrément, les jardins fleuristes ou jardins d'ornement sont évidemment très très présents sous la plume, sous le pinceau des impressionnistes, que ce soit Monet, que ce soit Caillebotte, Renoir, Berthe Morisot, Sisley. Alors Sisley et Pissarro sont davantage, ont aussi été tentés par les jardins d'utilité, comme Caillebotte d'ailleurs. Jardin d'agrément, l'un des premiers pour Monet, il est très près de nous, il est à Sainte-Adresse, c'était le jardin de sa tante que vous avez ici, tableau qui est conservé au musée d'Orsay. Or, dans vous voyez justement cette église, le clocher qui pointe comme très souvent, vous voyez l'alliance des verts et des rouges qui, comme toujours aussi, a séduit Monet très tôt et qui se retrouvera à Argenteuil avec la prairie et le champ de coquelicots exposé à la première exposition impressionniste. Alors ce jardin, donc, c'était celui de la tante Lecadre. Sa tante avait beaucoup d'importance car à 17 ans, Monet perd sa mère. Il était donc né à Paris et c'est la cinquième année où sa famille s'installe au Havre, où il y avait la demi-sœur de son père. Et cette tante va évidemment avoir une importance pour Monet, d'abord soutenir sa vocation de peinture et surtout le remplacer en quelque sorte sa mère. Dans ce même jardin, vous voyez qu'il représente son père lisant avec ses effets d'ombre et de lumière qu'on va trouver dans tous les tableaux de l'impressionniste. Et vous voyez qu'il est déjà très tôt attiré par toute cette vie dehors et l'insertion de la figure humaine dans le paysage que vous voyez ici, vu de dos, ce tableau qui est toujours dans le même jardin avec ce massif de fleurs, cette alliance de vert et de rouge. Et vous voyez qu'il est très jeune, il a une vingtaine d'années et qu'il est évidemment déjà très doué. Alors, les femmes au jardin, c'est vraiment le mot jardin est même dans le titre du tableau conservé au musée d'Orsay. C'est le tableau dont on sait qu'il a été fait en plein air, car Monet l'avait commencé. Il l'avait commencé à Sèvres. Des peintres sont venus le voir et ont nommé ce phénomène de poulie qu'il va installer en plein air pour rouler la toile. Et il le faisait dans son jardin de Sèvres. Et puis, il l'a emporté
et il a aussi travaillé dans la région d'Honfleur, car le peintre Dubourg disait qu'il travaillait à ses femmes au jardin. Alors vous voyez que c'est très curieux, il y a son épouse, son modèle, son jeune modèle Camille Doncieux, qui deviendra sa première épouse. Vous voyez que le tableau est conçu comme un mouvement tournoyant autour de l'arbre avec ses figures, qui est celle qui a le nez dans les fleurs à gauche, dans le bouquet de fleurs, le bouquet de fleurs aussi sur la figure centrale, sur les genoux, et le mouvement tournoyant de la figure qui s'en va. Ce sont les mêmes robes que le peintre avait utilisées pour le grand déjeuner sur l'herbe. Vous voyez aussi cette découpe de l'ombre et de la lumière sur le sol. Et voilà que Émile Zola, en 1867, avait repéré ce tableau lorsqu'il a été refusé par le salon. Émile Zola l'avait repéré, et en 1868, dans son compte-rendu du salon, il évoque justement le tableau refusé l'an dernier. Voilà ce que Émile Zola a écrit dans son compte-rendu de salon. L'année dernière, on lui a refusé un tableau de figures, des femmes en toilette claire d'été, cueillant des fleurs dans les allées d'un jardin, le soleil tombé droit sur les jupes d'une blancheur éclatante, l'ombre tiède d'un arbre découpé sur les allées, sur les robes ensoleillées, une grande nappe grise, rien de plus étrange comme effet. Il faut oser un pareil tour de force, des étoffes coupées en deux par l'ombre et le soleil, des dames bien mises dans un parterre que le râteau d'un jardinier a soigneusement peigné. Alors évidemment, ce qui est très frappant, c'est que c'est une campagne qui n'est pas sauvage. C'est un jardin qui est très tenu, très civilisé, un petit peu comme on disait, comme l'a dit un petit peu Zola, parfois que les Parisiens emportent Paris à la campagne, et qu'il fait cette déclaration, il faut imaginer une grande toile, et qui inspirera d'ailleurs Basile, le jeune peintre Basile, qui lui sera reçu au salon de 1868 avec cette terrasse de Castelnau, sa terrasse qui est faite près de Montpellier, au-dessus du Lez. C'était la propriété familiale de Méric, et on voit que Basile subit en fait un petit peu l'influence de Monet avec ses fleurs, ses figures s'insérer dans le jardin, avec la superbe nature morte du premier plan, la répartition de l'ombre et la lumière sur le sol. Et le peintre Basile fait partie du mouvement impressionniste. Il est toujours nommé, mais il est plutôt pré-impressionniste, et surtout il est mort en 1870, juste avant, 4 ans avant la première exposition impressionniste. Mais en 1867, il avait écrit une lettre à sa mère en disant en prenant la parole au nom de tous les futurs impressionnistes, en disant: nous voulons exposer ensemble, nous sommes avec Monet, et comme nous sommes il est plus fort que nous tous, et comme il est avec nous, nous réussirons, vous verrez. Or, c'est une lettre prémonitoire en 1867 sur la trajectoire vécue par le mouvement impressionniste. Ici, toujours chez Basile, toujours, voyez ces massifs de fleurs avec le banc dans l'ombre, à contre-jour, qui aurait pu laisser présager que Basile aurait été aussi un peintre de jardin, qu'il aurait peint. Il était d'ailleurs venu aussi à la ferme Saint-Siméon accompagner Monet, et il s'était réjoui de vivre à la ferme Saint-Siméon. Alors, vous avez évoqué que tous les éléments sont présents, avec la terre, l'air, l'eau, et ici, vous voyez même que la mer se mêle aux fleurs, parce qu'ici, dans cette terrasse à Sainte-Adresse, qui est au Metropolitan Museum de New York, et que Monet a peinte l'été 1867 à Sainte-Adresse, c'est alors qu'il écrivait à Basile: « Je suis au sein de la famille, aussi heureux, aussi bien que possible. Je me suis taillé beaucoup de besogne. J'ai une vingtaine de toiles en train, des marines étourdissantes, et des figures, et des jardins, et de tout enfin. » C'était 27 ans, il avait la tête pleine de sujets à faire. Il voulait justement cette terrasse qu'on peut un peu maintenant, on peut la voir de très loin. La maison existe toujours. Lorsque vous allez au Havre, à Sainte-Adresse, au petit carrefour de la montée de Sainte-Adresse, si vous descendez à l'endroit du restaurant du Grand Large, au Havre, et vers le restaurant du Clapotis, vous voyez très bien, vers cette descente d'ailleurs, la terrasse Sainte-Adresse est représentée sur un panneau, et c'est le point de vue avec justement ici ce jardin. Vous voyez que les fleurs se mêlent, les rouges et les verts. Logiquement, il a été longtemps dit que la personne sous le parapluie au premier plan, sous l'ombrelle au premier plan, serait la tante de Monet, que le personnage à droite serait le père de Monet, que vous aviez vu dans le jardin, et se détachant sur l'eau, ce serait sa cousine, que vous avez vue dans le jardin en fleurs, que j'ai montré au début, dans le jardin de Sainte-Adresse. Vous voyez ici aussi le mouvement du vent. Donc c'est un très beau sujet où justement qui illustre bien la lettre de Monet. Je peins tout, j'ai des sujets, une vingtaine de toiles en train, des marines, superbes marines à l'arrière-plan,
des figures, vous les voyez ici, et des jardins. Donc il a tout mêlé dans cette toile manifeste, qui est évidemment un très grand succès. Alors, après, dans les années 70, les années 72 à 78, il va vivre à Monet va vivre à Argenteuil, et le jardin d'Argenteuil est évidemment, donne lieu à l'exécution de nombreuses toiles de jardin. Alors celle-ci, déjà, qui est la liseuse, qui est conservée à la Walter's Art Gallery de Baltimore, et qui, avec ce livre un petit peu qui rappelle justement ce thème de la lecture, et qu'ont pratiqué les peintres avant lui, comme Chardin, comme Bonnat, comme Fragonard. Et vous voyez ici ces taches de lumière, qui sont d'ailleurs notées dans un compte-rendu de Zola, où il dira qu'on a l'impression qu'il y a des taches de lumière sur la pelouse, juste à côté ici, et sur la robe ici. Alors, sous les lilas, également, qui donne lieu à une double toile pour Monet, une toile ici qui est conservée au musée d'Orsay, sous les lilas, une toile un peu triste, un peu sans lumière, si on peut dire, toile beaucoup plus lumineuse qui est conservée en Russie, c'est un pendant, comme l'exécutera souvent Monet, et c'est un sujet qui a été aussi traité par Berthe Morisot sous les lilas quand elle était dans le jardin de Maurecourt, dans le jardin de la belle famille de sa sœur, qui est Pontillon. Alors, pour revenir à Monet à Argenteuil, vous voyez aussi cette maison d'Argenteuil, on pense que c'est Camille, son jeune modèle, qu'il avait épousé en 1870. Camille avait donné naissance en 1867, au moment où justement, au moment de la terrasse à Sainte-Adresse, elle avait donné naissance à ce fils, Jean Monet, et vous voyez ici ce jardin, donc ce jardin d'Argenteuil, avec les potiches, potiches magnifiques qu'on va retrouver dans plusieurs toiles de Monet. Et j'ai eu l'émotion de participer à un catalogue de vente chez Christie's il y a deux, trois ans, où il y a eu en vente une des potiches qui est tout à fait proche, qui reprend exactement le dessin, qui est une des potiches ayant appartenu au jardin qui en fait partie du jardin de Giverny à une époque, et qui était donnée par Michel Monet, second fils de l'artiste, à une personne qui, dont la descendante l'a vendue. La vente a eu lieu à Hong Kong il y a 2-3 ans. Alors, autre peintre de jardin aussi d'ornement et d'agrément, Pissarro, qui d'ailleurs a travaillé aussi beaucoup à Pontoise. Vous voyez cette petite toile, coin de jardin à l'Ermitage, qui est dans la donation Kaganovitch au musée d'Orsay. Et vous voyez aussi cette grande toile, qui était l'ancien jardin de Marie de Rheims, qui était à Pontoise, avec tous ces, vous voyez aussi l'insertion de la figure humaine dans le paysage, comme ils tenaient tous à le faire, avec cette grande maison, ces grandes vues de maison, ces grandes allées, et les parterres de fleurs. Également, quand on revient à Monet, on s'aperçoit qu'il a aussi traité les jardins dans la vie de la journée, au cours de la vie quotidienne. Ici, l'heure du déjeuner dans le jardin. Le déjeuner, un grand panneau qui a été exposé en 1876 à la deuxième exposition impressionniste et qui est le format 2 mètres sur 2 mètres, un format qui sera repris pour plusieurs décorations de Monet plus tard et également pour les nymphéas plus tard. Donc, ce tableau montre que Monet était peintre décoratif déjà lorsqu'il avait une trentaine d'années. Ici, il y a donc le petit Jean Monet, son fils qui est resté seul à la table. On voit évidemment que Monet était aussi un peintre de nature morte. Il a laissé la belle coupe de fruits. On voit l'enfant qui s'attarde après le déjeuner, on voit les massifs de fleurs à l'arrière-plan, les branches qui servent à accrocher le chapeau, l'ombrelle qui est abandonnée sur le banc, les figures à l'arrière-plan. Et c'est une scène, évidemment, comme le disent souvent les guides promenades des jardins à l'époque, le jardin est une pièce, il sert d'une pièce à vivre dans la journée, et il est meublé très souvent avec de très beaux meubles, tous les meubles de jardin, également les nappes sur les tables. Il se prête à la vie partagée dans le jardin. Les glaïeuls, fleur qui est aussi très, très célèbre à l'époque, qui décore très bien les vases, que vous avez vu dans le jardin de la terrasse à Sainte-Adresse, les glaïeuls se détachaient sur l'eau, et vous les avez ici dans ce tableau qui est conservé à Détroit, qui est le jardin de la maison d'Argenteuil, avec Camille dans le jardin d'Argenteuil. Ici également Camille, dans le jardin d'Argenteuil, avec son fils allongé sur l'herbe, où on sent justement toute cette vie dans le jardin, peinte par Monet. Et ici, Manet venant rendre visite à Monet, à Argenteuil, et on voit Camille Monet avec le petit Jean Monet allongé sur dessus. On voit aussi les poules qui étaient libres dans le jardin, cette vie du jardin. Et également,
Le bonheur de Monet, lisant son journal, peint par Renoir à Argenteuil, tableau conservé au musée Marmottan, et qui évoque donc toute cette vie du jardin d'Argenteuil, l'été, notamment l'été 74, après la première exposition impressionniste. À Argenteuil, il recevait d'ailleurs la visite de Sisley, il recevait la visite de Renoir, qu'il peignait à la fois lisant son journal ou dans le jardin. Alors, en quittant Argenteuil, à la fin de la période d'Argenteuil, Monet se rend dans un château, le château de Rotembourg, à Montgeron, un épisode de sa vie qui sera très mis en valeur, parce que ce château appartient à Ernest Ogidé, qui est le premier propriétaire de l'impression Soleil Levant. Ernest Ogidé, Alice Ogidé, donc, qui est au château de Montgeron avec lui, et plus tard, Alice Ogidé deviendra Alice Monet, la seconde épouse de Monet. Or, au château de Rotembourg, Monet y a vécu quelques mois, et il avait été chargé de décorer le salon d'une décoration. Il a choisi de décorer, si on veut dire, les quatre saisons, dans l'optique des quatre saisons, mais de le faire avec des toiles représentant des poses dans le jardin de Montgeron, dans le jardin du château de Rotembourg. Ce qui montre donc l'attachement au jardin de Monet, parce que très vite, il a très bien compris que les saisons, pour lui, c'était le passage des saisons dans le jardin. Ici, vous avez le château de Rotembourg, vu de très bas, avec cette perspective montante, avec aussi, comme on l'a dit, comme des cadrages photographiques, le coup du dindon interrompu au premier plan, et ces dindons qui sont conservés au musée d'Orsay, qui ont fait partie de plusieurs collections importantes, notamment même de la collection de la princesse Singer, la princesse de Polignac, qui était née Vinaretta Singer, et qui a possédé à un moment les dindons de Monet. Monet s'est toujours intéressé à ce tableau, il l'aimait beaucoup. Il a été aussi en possession du peintre Denitis, du peintre Joseph Denitis, et chaque fois, Monet suit la période de ses tableaux. Lorsque la princesse de Polignac dit qu'elle part à Londres, Monet essaye de récupérer les dindons, mais la princesse de Polignac y tient et dit qu'elle les gardera. Ils sont donc rentrés d'ailleurs dans les musées nationaux en 1947, à la mort de la princesse de Polignac, et ils sont rentrés par donation, en même temps que trois autres tableaux d'ailleurs de Monet, et c'est pourquoi ce tableau est dans la collection du musée d'Orsay, dans les collections du musée d'Orsay. Deux tableaux sont dans les collections russes et montrent le printemps, si on veut dire, le printemps dans les jardins de Rotembourg. Vous voyez, avec les vues à travers le printemps et l'été, d'ailleurs, l'été dans les vues près du bassin, près de l'étang du jardin du château de Rotembourg. Alors, le dernier tableau qui est très intéressant, qui a été à un moment déposé au musée de la Chasse, qui fait partie d'une famille, qui est encore dans une famille, et vous le voyez ici, magnifique, avec ce tapis de feuilles mortes, c'est donc la scène d'automne, la chasse, les chasseurs dans les sous-bois de Montgeron, avec ce tapis de feuilles, et la perspective illuminée à la fin comme une perspective de feuilles d'or au fond du tableau, à l'arrière-plan du tableau. Et vous voyez aussi, encore une fois, que ces quatre tableaux ont le format 2 mètres sur 2 mètres, le format adopté très tardivement dans sa vie par Monet pour les nymphéas. Donc on voit que très souvent, il avait comme ça dans sa carrière semé des répertoires, en fait, qu'on va retrouver plus tard, développés. Ici, c'était ses décorations de Montgeron qui montraient qu'il était un peintre décoratif, ce qu'on a pu lui reprocher. Degas lui avait reproché, au moment des nymphéas, il devenait comme décorateur. Là, il est à Vétheuil. Après Argenteuil, Monet s'installe à Vétheuil. Et vous le voyez ici, ce jardin, il y a encore la maison de Monet à Vétheuil, on la voit de nos jours, elle est possédée par un propriétaire, il y a des panneaux à l'extérieur, et elle prête très souvent la maison, elle peut être visitée par des groupes. Et vous voyez cette descente vers la Seine. Or, vous voyez qu'elle est scandée par les mêmes vases que les vases que le peintre avait à Argenteuil devant sa maison. Donc cette vue de Vétheuil est en lien avec la maison d'Argenteuil et montre la fidélité de Monet à ses potiches qu'il avait transportées d'Argenteuil, qu'il avait conservées et qu'il avait emmenées à Vétheuil. Vous les voyez ici dans le jardin de Vétheuil. Alors, un peintre qui va aussi apparaître comme un grand peintre de jardin, comme un peintre de jardin plutôt un peu éphémère, c'est Manet. Manet est plutôt le peintre des élégances, le peintre de Paris, le peintre des portraits dans les portraits d'atelier,
mais il a aussi peint de nombreuses natures mortes florales. Plutôt que de vous montrer toutes les natures mortes florales de Manet, j'ai préféré vous en apporter une composition qui est beaucoup plus émouvante, qui est ce bouquet de violettes qu'il a peint pour Berthe Morisot. Et vous voyez d'ailleurs à l'arrière un petit éventail qui était l'attribut de Berthe Morisot dans ses portraits, un éventail, l'éventail plié. Il y a le petit mot. Alors, ce tableau qui a été très longtemps dans la conservé dans la famille des descendants de Berthe Morisot, la famille Rouard, et qui est en fait une très belle image de. C'est un cadeau de fiançailles de Manet à Berthe Morisot, qui épousait le frère d'Édouard Manet, le peintre, Eugène Manet. Donc vous voyez qu'il savait s'exprimer avec les fleurs, et notamment Manet est mort en 1883, et les deux dernières étés, il était très handicapé par des soucis de santé, et il avait loué une maison à Rueil, et il l'a représentée. Il est devenu peintre de jardin. Vous voyez ici cette maison à Rueil. Il n'y a pas de ciel, comme le disait souvent Françoise Cachin, spécialiste de Manet, il n'y a pas de ciel dans les tableaux très souvent de Manet. Et vous voyez ici cette maison avec cette sorte de croix avec la frise de la maison, avec l'arbre au centre, un plan très très rigoureux. Il y a 4 versions de ce tableau, dont une en Australie, et vous voyez encore une fois des vues du jardin. Donc c'est finalement très tard que Manet s'est tourné vers les jardins, si on peut dire. Et là, il s'est tourné vers les églantines, les pervenches, qu'il a travaillé à l'aquarelle, puisque l'aquarelle est un sujet qui demande moins de dispositifs, d'accessoires que la peinture. Et alors qu'il était fatigué, Manet travaillait beaucoup l'aquarelle, et des branches d'églantines, des branches de pervenches, et vous verrez tout à l'heure des lettres qu'il écrivait, ornées avec des motifs de jardin, du potager, de prunes, qu'il écrivait à ses proches. Alors évidemment, la grande étape, je ne vais pas en parler trop longtemps parce qu'elle ferait une conférence à l'entière, et j'en ai déjà fait. Je vais vous parler évidemment de Giverny en rappelant un petit peu une parole de Gérald van der Kemp, qui a longtemps veillé sur Giverny de 1980, alors qu'il a réveillé le jardin, jusqu'à sa mort en 2001. Et il écrivait justement dans une préface: il est indispensable de faire un pèlerinage à Giverny, dans ce sanctuaire fleuri, pour mieux comprendre le maître, pour mieux saisir les sources de son inspiration et pour l'imaginer encore vivant parmi nous. Alors c'est sous ces angles que je vais vous évoquer Giverny, non pas que vous en parlez longuement, pour montrer évidemment sa situation, tout le monde la connaît maintenant, qui est à mi-parcours un petit peu entre Paris et la Normandie, c'est-à-dire qu'il s'était déplacé à Argenteuil, puis un petit peu plus loin à Vétheuil, et puis encore plus loin à Giverny, en s'installant dans le pays, en disant qu'il trouve que le pays lui plaît beaucoup, qu'il va faire des chefs-d'œuvre, il les crée à Durand-Ruel. Et en 1890, alors qu'il n'était que locataire de Giverny, il va écrire à Durand-Ruel en lui disant qu'il est certain de ne jamais trouver une pareille installation ni un si beau pays, et qu'il lui demande des avances pour pouvoir acheter la propriété afin de la transformer. Et c'est la transformation de la deuxième partie de Giverny, avec l'étang aux nymphéas et ce coin un petit peu japonais dans Giverny. Alors ici, je vous ai mis en souvenir un hectachrome, évidemment montrant Monet à la fin de sa vie devant la maison à Giverny, car non seulement Giverny est un lieu où il a vécu, un lieu de mémoire, comme je le dirai tout à l'heure, mais également, il fait partie de la peinture du peintre. Ici, vous avez quelques vues photographiques de la maison et des fleurs que vous devez tous presque bien connaître, et puis et aussi des arbres qui étaient dans la première partie du jardin, qu'on appelait le clos normand, justement rappelant l'importance des pommiers. Et également, pour vous montrer cette fusion avec la peinture, je vous montre avec un tableau qui vous remontre à nouveau la façade rose au volet vert de Giverny, mais avec les allées d'iris, ce tableau peint par Monet, dont il existera 2 versions. Il y en a une conservée au musée d'Orsay. Voici ce qu'avait écrit Octave Mirbeau en venant visiter, il venait souvent visiter Monet, et dans la revue dans l'art dans les deux mondes, en 1891, voici un passage d'Octave Mirbeau qui vous montre justement la liaison entre peinture, littérature, tout à fait importante au 19e. Alors voilà ce qu'écrit Octave Mirbeau. C'est le printemps, une maison de mortier rose au fond d'un jardin toujours éblouissant de fleurs. Les iris dressent leurs pétales recurvés, étranges, fanfreluchés de blanc, de mauve, de lilas, de jaune et de bleu, striés de brunes panachures et de ponctuations pourprées, évoquant dans leurs dessous compliqués des analogies mystérieuses
des rêves tentateurs et pervers, pareils à ceux qui flottent autour des troublantes orchidées. C'est vrai que l'iris est une fleur assez compliquée, assez complexe, avec ses pétales, et vous voyez que les écrivains de l'époque n'hésitaient pas à passer du temps sur les fleurs. Je m'étais d'ailleurs déjà intéressée au jardin il y a quelques années, en reprenant ce tableau, un livre que j'avais publié en 1991. Et je vous montre également cette allée que vous avez vue avec les iris, mais l'automne, elle donne lieu aux capucines. Alors si vous allez l'automne à Giverny, c'était très beau de voir l'allée centrale avec les capucines. Du haut, vous la regardez du haut de l'allée, elle est orange. Du bas de l'allée, elle est jaune. Quelquefois, il y a les deux visions se complètent et sont un hommage aux capucines. Vous la voyez aussi ici, avec des touches de fleurs, une photo qui est assez ancienne. Alors justement, je signerai à la fin de la conférence, pour ceux qui le souhaitent, le livre que je viens de faire publier sur Claude Monet et sa passion pour les fleurs, car là aussi, comme je l'ai dit au début de la conférence, de toute façon on parle des jardins, mais chez Monet c'était non seulement les arbres, les jardins, mais aussi les fleurs, et il s'y est intéressé tout au long de sa vie. Et là vous trouvez aussi des textes littéraires, justement, dont j'ai extrait certains textes aujourd'hui. Alors, ce jardin de Giverny donnait lieu à des rendez-vous entre peintres, il donnait lieu à des rendez-vous avec son marchand. Vous voyez ici Monet avec Durand-Ruel, vous voyez avec le chapeau blond, et vous voyez ici Durand-Ruel, d'ailleurs peint, qu'on connaît beaucoup mieux, peint par Renoir. Et puis également, il donnait lieu, ce jardin de Giverny, à des études, à des réceptions de japonais, à des études, des réceptions de pivoines. Alors, vous voyez là que c'était à l'occasion d'un anniversaire avec Hugues Gall, qui est directeur de la maison de Monet-Giverny, de la fondation Claude Monet-Giverny, avait organisé un hommage aux pivoines, les pivoines japonaises. Et vous regardez bien cette image, c'est une recréation à Giverny d'un tableau de Monet avec les pivoines de son époque. Vous voyez donc cette fusion continuelle avec la peinture et la vie de Monet. Et les fleurs. Vous voyez ici aussi les coquelicots dans le jardin de Monet, les coquelicots qui avaient été très présents. Et ces amis qui venaient le voir, il y en avait aussi un dont on sait moins qu'il aime tant les fleurs, c'est Mallarmé. Mallarmé qui lui avait envoyé ce quatrain d'adresse, Monsieur Monet, que l'hiver ni l'été, sa vision ne leurre, habite en peignant Giverny, ici auprès de Vernon dans l'heure. Alors je montre toujours la version manuscrite, car souvent, lorsqu'on le voit imprimé, les virgules sont bouleversées, puisque les virgules de Mallarmé sont très particulières. Et très souvent, il y a habite, que vient de l'heure, la virgule est après de l'heure, et habite en peignant Giverny, il n'y a plus de virgule. C'est-à-dire que le texte de Mallarmé est rythmé tout à fait à la manière du souhait de Mallarmé. Et vous voyez aussi que c'est une épreuve. En fait, vous vous apercevez qu'il y a des petits mots soulignés, que c'est un texte préparé pour être publié. Vous voyez les M de Mallarmé, le M très particulier. En fait, c'est un texte qui a été acquis par Henri Mondor, le professeur Henri Mondor, académicien qui s'est spécialisé dans Mallarmé et qui l'a donné à la bibliothèque Doucet dans son fonds d'archives. Également, pour vous montrer l'intérêt de Mallarmé, j'ai apporté une petite lettre qui vous montre à quel point il aimait les fleurs. Il venait de recevoir en 1887 à Valvin, il vivait près de Fontainebleau, et il avait reçu une lettre de Berthe Morisot et de Julie qui se trouvaient en voyage en Touraine et qui évidemment visitaient des jardins en Touraine. Alors voilà ce qu'écrit Mallarmé à Berthe Morisot. Votre lettre me cause de l'envie, j'ai les yeux de vers lointains, mais je manque de fleurs, et je me figure que vos yeux ignorent cette peine, la pire des privations. Vous voyez que là, jusqu'où va Mallarmé, et il ajoute, à des moments, je donnerais des siècles d'un arbre pour quelques œillets. Et c'est très joli comme formule, les siècles d'un arbre, les années qui se voient dans le tronc. Alors, bon, il vivait au milieu des arbres à Valvin, mais il lui manquait les fleurs. Alors, Proust, évidemment, le nom s'impose, vous allez voir qu'il croise Monet, mais le nom de Proust s'impose à une conférence sur les jardins. Je vous lis une phrase de Georges Punter, qui est le spécialiste de Proust et qui avait écrit très joliment, qui a très bien analysé le lien de Proust avec les jardins. Alors voilà ce qu'écrit Georges Punter. Les Édens de Proust étaient les jardins d'Auteuil et d'Illier qui devinrent les jardins de Combray. Il ne les voyait qu'au temps des vacances et plus tard il en fut dépossédé pour toujours à cause de son péché originel, l'asthme. Mais s'il ne les avait pas perdus, il ne se serait jamais devenu le paradis. En effet, dans la recherche du temps perdu, les jardins occupent une immense place
Et on a pu dire qu'à partir du moment où Proust s'est vu interdire d'aller dans les jardins en raison de son asthme, il a un peu compensé en consacrant de multiples pages au jardin de son enfance et au jardin de la recherche du temps perdu. Il y est Combray, puisqu'il y est porte maintenant le double nom, l'enfant Combray. Et je reprends en passant une petite phrase de Julien Green qui disait « L'enfant dicte, l'homme écrit », qu'effectivement les souvenirs d'enfance pour les peintres ou les écrivains très souvent dictent l'œuvre future. Ils enregistrent enfants et adultes, ils repartent vers leurs souvenirs. Alors le monde Proust, pourquoi évoquer Proust dans les jardins aussi? C'est parce qu'en fait la grande question est de savoir s'il est allé à Giverny. Il a écrit un texte qui s'appelle « Les éblouissements » par la comtesse de Noailles, qui a été publié par le Figaro le 15 juin 1907, où, je vous le lis, on ne sait pas très bien, et c'est un petit peu aussi un texte que je vous relirai après, un extrait de La recherche du temps perdu. On n'arrive pas à savoir si les jardins de la Vivonne, si le passage de La recherche du temps perdu est évoqué par une venue de Proust à Giverny, ou simplement par des récits de visiteurs de Giverny qu'aurait lu Proust et qui l'aurait inspiré. Mais il y a certainement un lien. Alors voilà le texte publié dans Les éblouissements par la comtesse de Noailles, dans le Figaro du 15 juin 1907. Si je puis voir un jour le jardin de Claude Monet, donc en 1907, Proust me dit qu'il ne l'a pas vu. Si je puis voir un jour le jardin de Claude Monet, je sens bien que j'y verrai dans un jardin de tons et de couleurs, plus encore que de fleurs, un jardin qui doit être moins l'ancien jardin fleuriste qu'un jardin coloriste, si l'on peut dire, des fleurs dispersées en un ensemble qui n'est pas tout à fait celui de la nature, puisqu'elles ont été semées de façon qu'elles fleurissent en même temps que celles dont les nuances s'assortissent, s'harmonisent à l'infini en une étendue bleue ou rosée, et que cette intention de peintre, puissamment manifestée, a dématérialisé en quelque sorte de tout ce qui n'est pas la couleur. Donc c'est une expression proustienne, mais c'est bien montré que les fleurs, ce qui intéressait Monet dans les fleurs, c'était aussi leur couleur et de jouer de ces couleurs. Et puis la deuxième partie du texte qui nous introduit dans le deuxième jardin de Giverny, c'est fleurs de la terre et aussi fleurs de l'eau, ces tendres nymphéas que le maître a dépeint, c'est toujours Proust, ces tendres nymphéas que le maître a dépeint dans ces toiles sublimes, dans ce jardin, vraie transposition d'art, plus encore que modèle de tableau déjà exécuté à même la nature, même la nature qui s'éclaire en dessous du regard d'un grand peintre, et comme une première vivante esquisse, tout au moins la pelle a été déjà faite et délicieuse, où les tons harmonieux sont préparés. Donc là aussi, fusion, vous voyez, entre la palette, la peinture, le peintre, la vie et les nymphéas, et la création qui va s'opérer. Alors encore, pour vous nommer justement ces nymphéas, voilà le bassin aux nymphéas, voilà les nymphéas à la surface de l'eau, tableau de peint par Monet avec son pont japonais, Harmonie verte et Harmonie rose, il avait peint deux tableaux qui sont au musée d'Orsay à la suite de la donation du comte Isaac de Camondeau. Et là encore, je vous lis un passage de Proust qui se trouve dans Du côté de chez Swann, donc dans La recherche, en 1913. Et là aussi, très émouvant, voilà ce qu'écrit Proust. Ça et là, à la surface, rougissait comme une fraise, une fleur de nymphéa au cœur écarlate, blanc sur les bords, tandis qu'un peu plus loin, pressées les unes contre les autres en une véritable plate bande flottante, on eût dit des pensées des jardins qui étaient venues poser comme des papillons, leurs ailes bleuâtres et glacées sur l'ubiquité transparente de ce parterre d'eau, de ce parterre céleste aussi. Donc, parterre d'eau et parterre céleste, on le voit aussi dans ces nymphéas bleus qui sont rentrés au musée d'Orsay aussi par Dacion. Ces nymphéas faisaient partie d'ailleurs de la collection Thériade, l'éditeur qui avait confié des textes notamment à Bachelard, au philosophe Gaston Bachelard en 1952, les nymphéas ou les surprises d'une aube d'été. Et je vais vous lire un extrait du texte qui est magnifique de Gaston Bachelard, où dans cette revue de l'éditeur Thériade, dans la revue Verve, figurait en face ce tableau reproduit. Je veux dire que j'ai un souvenir personnel, nous avions emprunté ce tableau pour une exposition et j'étais allée le rapporter à l'éditeur Thériade qui vivait encore. Le texte de Gaston Bachelard est de 52 et c'était donc lors de l'exposition Monet en 1980 au Grand Palais. Et Thériade est évidemment un homme très intéressant et il n'a pas manqué après en mourant qu'il y ait une dation et que l'œuvre rentre au musée d'Orsay. Alors je vous lis le texte de Gaston Bachelard
qui analyse la fleur du nymphéa d'une manière très particulière et qui en fait la fleur de l'impressionniste, vous allez voir. Les nymphéas sont les fleurs de l'été. Elles marquent l'été qui ne trahira pas. Quand la fleur apparaît sur l'étang, les jardiniers prudents sortent les orangers de la serre. Donc c'est le signe du printemps. Ensuite, quand le soir vient, Monet l'a vu mille fois, la jeune fleur s'en va passer la nuit sous l'onde. Ne raconte-t-on pas que son pédicule la rappelle en se rétractant jusqu'au fond ténébreux du limon. Ainsi, à chaque aurore, après le bon sommeil d'une nuit d'été, la fleur de nymphéa, immense sensitive des eaux, renaît avec la lumière, fleur ainsi toujours jeune, fille immaculée de l'eau et du soleil, ce qui est magnifique. Ensuite, il continue, tant de jeunesse retrouvée, une si fidèle, une soumission au rythme du jour et de la nuit, une telle ponctualité à dire l'instant d'aurore, voilà ce qui fait du nymphéa la fleur même de l'impressionnisme. Le nymphéa est un instant du monde, il est un matin des yeux, il est la fleur surprenante d'une aube d'été. Alors on voit qu'ici, le philosophe Gaston Bachard est évidemment aussi poète, et c'est le rappel aussi d'un poème de Mallarmé sur le nénuphar blanc, car en fait le nymphéa c'est le nom scientifique de la variété du nénuphar blanc, et elle est passée évidemment à la postérité comme maintenant très caractéristique des toiles de Monet. Alors je vous montre toutes les vues, un petit peu quelques vues du bon japonais, voilà, avec la glycine, pour également vous dire que la glycine était une des fleurs préférées de Monet. Il écrivait très souvent à Clémenceau de venir le voir, que la glycine était en fleur, qu'il fallait ne pas tarder, car dans 15 jours, elle ne lisserait plus. Vous voyez des photos de la glycine actuellement, et vous voyez Monet travaillant à son bureau, représentant les arceaux de fleurs, et évidemment aussi le pont japonais. Et vous voyez une photographie ancienne de 1921 qui vous montre Clémenceau avec Monet sur le pont japonais à Giverny. Ici, hectachrome ancien, vous montrant le bassin de nymphéa du temps de Monet, un hectachrome qui est donc très précieux. Et vous voyez qu'aujourd'hui, voilà la vue d'aujourd'hui, il n'y a pas une grosse différence, il y a une belle reconstitution de lieu. Alors également, une photographie émouvante qui a été prise par Sacha Guitry, qui vous montre Claude Monet regardant son bassin aux nymphéas assis dans son fauteuil de Rotin. Comme vous voyez, c'est une photo qui date à peu près de 1915, au moment où Sacha Guitry tournait à Giverny, ceux de chez nous. Et vous voyez que Monet, qui a 75 ans, décolle de sa chaise, regarde intensément, on voit ce regard, ses yeux, cet œil dont a toujours parlé Cézanne, qui disait un œil, mais quel œil, et ses yeux magnifiques. Et vous voyez ici un dessin, également fait par Sacha Guitry, avec justement ce regard enfoui sous les paupières et les sourcils profonds. Alors, le jardin de Giverny est devenu un jardin de peintre, un jardin de mémoire. Il y a une photo très émouvante qui montre justement le profil le Monet avec ses pinceaux et son chapeau de soleil. Une photo de lui qui montre qu'il est un jardin de mémoire. Et j'ai apporté aussi, pour conclure sur Giverny, cette photo d'un Giverny que vous ne verrez jamais, que j'ai vu de temps en temps. C'est l'hiver, Giverny ferme en octobre, fin octobre, et rouvre le 1er mars. Et vous voyez que dans l'hiver, quelquefois, le jardin est recouvert par la neige, vous voyez la maison au fond. Et c'est un coup d'œil qu'aimait beaucoup Monet, car justement aussi, il s'intéressait, quand il partait en voyage pendant l'hiver, il écrivait à son épouse, est-ce que les enfants profitent bien du bassin? Est-ce que les patineurs patinent? Donc l'étang de nymphéa, au nymphéa, a été transformé en patinoire. Alors, dans les jardins d'agrément, il y a aussi, évidemment, Berthe Morisot, je voulais évoquer un petit peu, elle a beaucoup travaillé dans le jardin de Maurecourt, le jardin de la belle famille de sa sœur. Vous voyez ici la chasse aux papillons qui est rentrée au musée d'Orsay il y a très longtemps par la donation Moroney-Latton, une des premières donations qui ont fait entrer l'impressionniste dans les musées en 1906. Et vous voyez justement ces figures. Ici, vous partez un petit peu plus loin dans la vie de Berthe Morisot, dans un jardin qu'elle a beaucoup aimé, une période de sa vie où sa fille a écrit dans son journal que sa mère avait dit que c'était là où elle avait été le plus heureuse, c'est Bougival. Vous avez ici cette peinture de Bougival, le jardin de Bougival avec les fleurs, les notes rouges qui se détachent, peinture qui est conservée au musée Marmottan, où il y a eu une donation importante de famille Roire au musée Marmottan.
Vous voyez ici le père de Julie Manet, l'époux en fait de Berthe Morisot, qui était donc le frère d'Edouard Manet, Eugène Manet, et qui est avec la petite Julie, la fille de Berthe Morisot et d'Eugène Manet, dans le jardin de Bougival. Et vous voyez que Berthe Morisot a passé beaucoup de temps à observer Julie jouant avec son père dans le jardin de Bougival. Également, ici, c'est une vue avec, où Berthe Morisot se penche sur le balcon avec les arrosoirs, tous les accessoires de jardin. Et j'ai glissé aussi, pour vous montrer l'importance des enfants par rapport au jardin, cette toile de Renoir qui monte la balançoire et qui est dans un jardin de la rue Cortot. Donc, vous voyez, Berthe Morisot, Renoir, mais il y a aussi un peintre que j'ai évoqué il y a peu à Trouville, Caillebotte, qui a aussi vécu dans les jardins très tôt. Et dans la propriété de Hyères, que vous avez ici à l'écran, qu'on appelait le casin, un petit peu à l'italienne, le casino. Et le casin, vous avez ici une photographie, en voilà une autre. Elle est aujourd'hui accessible au public, elle a été donnée, acquise par la commune de Hyères. Et vous avez devant ce bâtiment, vous voyez une colonnade au rez-de-chaussée, et vous voyez devant les portraits en fait, de la famille de Caillebotte. Et en noir, car il y a eu tous les deuils dans la famille Caillebotte. Et également, vous voyez qu'on sortait les meubles de l'intérieur, puisque vous avez un petit guéridon en bois, vous voyez aussi qui est à l'arrière. Vous voyez aussi que c'est associé à ces meubles de jardin des présences féminines qui lisent, qui écrivent, qui font de la couture. Une toile qui est conservée très près d'ici, elle est conservée à Bayeux, au musée du Baron Gérard. Également, toile dans la propriété du Hyères avec ses corbeilles de fleurs, avec ses petits personnages, et également celle-ci, les orangers, qui est conservée au musée de Houston, où Caillebotte montre aussi ses fleurs, ses grandes fleurs en pot, ses orangers qui étaient rangés dans l'orangerie dans le jardin de Hyères. Et là, vous voyez les meubles de jardin propres. Caillebotte a aussi connu, à la fin de sa vie, un autre jardin. En 1887, lorsqu'il a acquis, après la mort de sa mère, une autre propriété, la maison de la maison en 1878, la mère de Caillebotte est morte et la maison de Hyères, la propriété, a été vendue. Et Caillebotte, avec son frère Martial, Gustave Caillebotte, a acquis la propriété du petit Gennevilliers. Mais en 1887, son frère s'est marié et Gustave Caillebotte a racheté sa part à son frère. Et lui, il s'y est installé quasiment définitivement, avec notamment sa compagne que vous voyez ici, et où il peint ses rosiers au petit Gennevilliers. Vous voyez ici aussi les figures de tournesol dans le jardin du petit Gennevilliers, et vous les voyez aussi se détachant sur la Seine, un petit peu ce qui rappelle les fleurs que Monet faisait sur la terrasse à Sainte-Adresse, se détachant sur la mer. Donc c'était aussi des échanges entre Monet et Caillebotte. Il y a d'ailleurs une très belle phrase d'Octave Mirbeau qui écrit au peintre Caillebotte, une lettre qui n'est pas datée mais qui est de 1891. Voilà ce qu'écrit Octave Mirbeau à Caillebotte. Je serais fort heureux de vous recevoir, je préviendrai Monet, et nous pourrions passer chez moi une journée charmante, nous causerions peinture et fleurs et bateaux, trois choses dont tous les trois nous raffolons. Vous voyez, il mettait au même plan la peinture, les fleurs et les bateaux. Et puis, dans Giverny, j'ai oublié de vous lire une lettre de Monet à Gustave Geffroy, du 25 mai 1900, où Monet écrivait « C'est si bon la campagne, je voulais vous écrire pour que vous veniez voir le jardin, si beau en ce moment, ça vaut le voyage ». Et dans 15 jours ou plus, ce sera passé. Donc vous voyez que les peintres s'invitaient les uns les autres à voir leurs fleurs, à parler des fleurs. Ils échangeaient des plans qu'ils s'envoyaient. Et ici, vous avez aussi un jardin d'une maison qui serait à Trouville, où avait séjourné Caillebotte. Il venait très souvent faire des régates. Alors, il y a une autre catégorie de jardin qui est moins perceptible quelquefois, mais qui a beaucoup compté. Ce sont les jardins d'intérieur, les jardins d'hiver, qui sont présents très souvent dans les maisons du 19e, on a le grand souci de prévoir leur place. Ici, vous avez à l'écran l'aquarelle de Giraud, qui est conservée au musée des arts décoratifs, et qui vous montre le jardin de la princesse Mathilde, dans son hôtel de la rue de Courcelles, qui était d'ailleurs transformé en salle à manger, où il y avait des plantes, et où finalement l'hiver, les propriétaires d'hôtels particuliers se réconfortaient. Vous aviez aussi l'hôtel particulier de René Saccard, qui est évoqué dans la curée, et vous l'avez également, toutes les vues des peintres qui ont représenté le jardin d'hiver, notamment Manet, vous voyez dans la serre,
avec le couple des Guillemets. Vous voyez également ce beau window qui est magnifique, qui était à l'île de Wight, peint par Berthe Morisot. Elle peint Eugène Manet, que vous aviez vu dans le jardin de Bougival. Elle le peint ici devant la fenêtre et elle écrit d'ailleurs à Monet en lui disant qu'elle a une vue magnifique avec un beau window tout fleuri. Et elle lui dit, vous en feriez des merveilles. Je pense à vous, vous en feriez des merveilles. Donc vous voyez que leurs lettres, leur correspondance si abondante, parlaient très souvent des fleurs. Ici, Berthe Morisot qui peint sa fille Julie. Alors ici, nous sommes dans la rue de Villejuste, dans maintenant l'actuelle rue Paul-Valéry, où Berthe Morisot avait fait construire avec son mari un petit hôtel particulier. Et c'était là qu'elle avait fait faire une sorte de véranda qui donnait sur le jardin créé avec son mari. Également, vous voyez ici un autre modèle. Alors, toujours jardin d'hiver, eh bien, Monet n'échappait pas à cela, puisqu'il rentrait à l'intérieur les potiches. Vous voyez les potiches à l'intérieur, au premier plan, ce sont les potiches que nous avions vues dans le jardin de Béteuil ou dans le jardin de la maison Argenteuil. Donc, elles suivent bien Monet, à la fois l'hiver, à la fois selon les lieux Argenteuil et Béteuil, et bon, Giverny, et surtout, elles viennent aussi, reviennent l'hiver dans la maison. Alors également, ce qui a introduit les fleurs dans les maisons, ce sont le thème des natures mortes. Les peintres ont beaucoup introduit les bouquets de fleurs dans les maisons. En ce qui concerne Monet, il l'a évidemment fait beaucoup à une période à Véteuil, parce qu'il y a perdu son épouse Camille, qui est morte à 32 ans, et il n'avait plus le courage de sortir dehors peindre le paysage. Camille est morte en septembre 1879. Et ce qui fait qu'il y a eu, pendant la période de Véteuil, plusieurs très belles natures mortes de fleurs. Ici, je vous montre les chrysanthèmes qui sont dans la collection Gachet au musée d'Orsay. Je vous montre ici également aussi les soleils et également les chrysanthèmes rouges. Alors, ce tableau pourrait être au musée d'Orsay s'il avait été accepté par l'État en 1894. En 1894, c'est la mort de Caillebotte. Et on découvre que dans son legs Caillebotte, il a légué 16 monnaies, dont ce tableau d'ailleurs. Or, il y aura une partie du legs Caillebotte qui sera refusée puisque l'État ne voulait pas faire rentrer autant d'impressionnistes à la fois. Il fallait aussi construire une annexe au musée du Luxembourg. Ils estimaient que l'heure n'était pas encore venue. Et c'est là que ce tableau n'a pas été retenu. Or, en fait, c'est un tableau très audacieux, un très beau tableau avec les chrysanthèmes rouges, le tapis rouge. Et vous voyez en haut à droite la signature Claude Monet en rouge. Moi, je sais que c'est un des tableaux que j'avais donc accroché en 80 pour l'exposition Claude Monet au Grand Palais et que j'ai perdu de vue en quelque sorte car il est chez un collectionneur et je l'avais retrouvé chez un de ses descendants qui m'avait prêté un Pissarro pour l'exposition Cézanne et Pissarro et c'est comme ça qu'il est revenu à l'exposition au Grand Palais clôturant un petit peu la séquence des natures mortes justement car après ces magnifiques natures mortes florales eh bien à Giverny au contraire Monet peint les fleurs dans les jardins donc il abandonne un petit peu le jardin de fleurs et au mur de la maison de Giverny les fleurs qu'il y a sont les fleurs des estampes japonaises, ce que Monet appelle très joliment les fleurs de Kusai. Alors je vous lis un passage, je vous montre d'ailleurs quelques estampes. Ici vous voyez avec l'abeille qui butine, vous voyez les chrysanthèmes, on a vu les chrysanthèmes. Et là ici les pivoines avec un papillon à droite qui vole. Alors là je vous lis une lettre de Monet à Maurice Joyant. Et il ne faut pas croire qu'il parle des fleurs du jardin, il parle des estampes japonaises. C'est une lettre qui est du 5 février 1896. Je vous remercie d'avoir pensé à moi pour les fleurs de Kusai. Vous ne me parlez pas des coquelicots, et c'est là l'important, car j'ai déjà les iris, les chrysanthèmes, les pivoines et les volubilis. Et en fait, les fleurs qu'il nomme, ce sont les estampes japonaises qui représentent ces fleurs. Donc vous voyez que cette passion pour les fleurs de Monet, elle s'exprimait à la fois dans sa peinture, dans son jardin, mais qu'il l'avait également dans sa collection d'estampes japonaises, dont certaines étaient accrochées au mur. Alors, bouquet de fleurs, j'en ai choisi un aussi très significatif. C'est le bouquet de fleurs de Degas, qui fait un bouquet d'un personnage, cette femme, Valpinson, qui est déportée, où il donne toute l'importance aux fleurs. Et Degas est un peintre d'intérieur, n'est pas un peintre d'extérieur. Il a peint avec les impressionnistes. Alors, c'est toujours délicat. Il a exposé avec les impressionnistes. Donc, il est considéré comme un peintre impressionniste, mais il n'a pas partagé tout à fait l'esprit de l'impressionniste. Caillebotte, je vous en ai parlé dans les jardins d'agrément. Et vous voyez qu'il figure aussi pour les fleurs, comme un bouquet de fleurs. Mais là, c'est un massif.
Et je vous l'ai montré, car ici, je vous le rapporte, car il a été offert par Monet, ce bouquet de caillebottes. Et c'est, logiquement, il a été offert par le frère de Gustave Caillebotte quand Monet s'est occupé de la succession de Gustave Caillebotte et du legs Caillebotte pour le musée du Luxembourg. Or, vous voyez ici que dans la reconstitution à Giverny de la chambre de Monet que j'avais fait avec, sous la direction du Gall en 2013, eh bien, vous voyez qu'il y a plusieurs tableaux accrochés. Ce tableau est évidemment conservé au musée Marmottan puisque Monet l'avait toujours gardé. Vous voyez à droite du lit, vous voyez les chrysanthèmes de Caillebotte, et Monet avait toujours gardé les toiles, et Michel Monet en avait vendu certaines, mais certaines toiles, il les avait conservées, et c'est celles qui sont allées au musée Marmottan, et dont la plupart ont bien servi pour illustrer la collection de Monet à Giverny. Alors, je vous avais évoqué Manet qui se remettait aussi à l'aquarelle. Je vous évoque ici, dans les jardins d'intérieur, Vuillard, juste deux secondes, parce que j'ai voulu vous montrer que les jardins d'intérieur sont souvent associés à une présence féminine. Ici, c'est la famille Natanson. Et c'était pour montrer que ces thèmes des jardins d'intérieur, avec très souvent des vitres, vitraux, avec des fleurs représentées, qui sont aussi à l'époque à mettre en rapport avec l'art de Galet, l'art de la verrerie, avec toutes les fleurs qui ont été exécutées à Nancy, où on dit justement là où aussi l'enfance a beaucoup joué pour Galet, car sa maison natale donnait sur un jardin, et on a dit que ça l'avait beaucoup formé dans son œil pour son amour pour les fleurs qu'il retraitera après dans les verreries. Alors ici, un jardin d'hiver que j'évoque en passant, qui est le jardin de la maison Henri Schaeffer du musée de la vie romantique à Paris, pour montrer justement que ça, c'est un petit peu un type de véranda de ces jardins d'hiver accolés à une maison qui était très souvent prévue au 19e pour pouvoir vivre cette vie du jardin l'hiver. Alors, jardin d'utilité, potagers et vergers, là, je vais vous faire un petit survol pour vous montrer aussi qu'on retrouve à la fois les mêmes peintres, mais certains sont davantage absents. Par exemple, Monet ne s'y est pas vraiment intéressé, mais un peintre comme Caillebotte, dès le jardin d'hier, s'y est beaucoup intéressé. Vous voyez ici le potager qui était dans le jardin de la maison familiale hier. Vous voyez aussi avec tous ces murs. Vous voyez ici l'allée, les jardiniers. Et vous voyez ce plan cruciforme qu'on retrouve très souvent avec des murs clos à l'intérieur des potagers. Ici, vous avez aussi un petit peu l'évocation des jardiniers. Un jardinier fait par Caillebotte. On a pu y voir un autoportrait, mais maintenant c'est beaucoup plus discuté. Et vous voyez ici les jardiniers à même la terre avec leurs arrosoirs qui arrosent, on n'a plus d'accès aux épinards, et qui sont derrière eux, ont ces cloches pour les graines, on avait dit aussi que c'était des cloches à melons qui sont dans l'inventaire de la famille Caillebotte, et vous voyez le pan. Alors très souvent, vous vous apercevez aussi que dans ces potagers, il y a un mélange, comme d'ailleurs au potager de Miroménil, il n'est pas très loin d'ici, il y a un mélange entre les fleurs, les fruits et les légumes. Ici, dans le thème des jardiniers, vous voyez un tableau que j'ai voulu montrer, qui n'est pas un impressionnisme, mais qui montre justement le réalisme dont avait fait preuve Caillebotte avec la peinture du jardinier pieds nus. Bien, vous voyez ici avec les sabots, c'est un peintre belge, Claus, vous le voyez à portée, et vous voyez que c'était toujours un peintre très réaliste. Alors ici, beaucoup plus moderne, c'est le jardinier chef de Giverny, l'ancien jardinier chef Gilbert Vahey, qui a restitué le jardin à Giverny. Et là, vous voyez qu'il est avec un japonais. C'est un échange de plantes japonaises qui est fait avec le jardin de Kitagawa, qui a été créé en 2000. Et vous voyez tout un ensemble de japonais qui viennent perpétuer la tradition du jardin, de l'alliance de Giverny avec le Japon. Également important dans le jardinier, je vous montre une affiche un petit peu ancienne, en montrant une côtellerie en Anjou, et avec le sécateur, avec tous ces instruments qui ont évidemment leur part dans les jardins des peintres. Également, peinture évoquée dans les potagers et les vergers pour Sisley, ici un brouillard à voisin dans la campagne, ici les paysans et les paysannes dans les clos peints par Pissarro, qui a été davantage tourné aussi vers les jardins d'utilité, les potagers et les vergers. Coin de jardin à l'Ermitage, un tableau qui faisait partie du legs Caillebotte qui est au musée d'Orsay. Et vous voyez encore aussi les femmes dans un clos, toutes les personnages, même pendant la période pointilliste à Erani. Alors également, Berthe Morisot s'est intéressée aux arbres fruitiers, elle s'est intéressée à sa fille qui cueille dans le cerisier. Et également, je vous avais évoqué
Je vous avais évoqué Manet à la fin de sa vie avec les aquarelles de fleurs, mais il a également exécuté des aquarelles de fruits qui sont très réussies, des aquarelles de pêche, de prunes, où il écrivait en même temps, il le faisait sous forme de lettres, c'est-à-dire qu'il ornementait ses lettres comme une entête, en disant justement que la première prune était pour vous, cher ami, et la dernière sera pour vous, avec un petit texte très gentil. Manet a également représenté les occupations qui ont lieu dans les jardins potagers, très souvent cachés par rapport aux jardins d'ornement pour ne pas gâter la vue. C'est celle qui est liée au linge qui sèche dehors. Vous avez ici un tableau de Manet. Je vous en montre un de Pissarro, avec toujours, vous voyez, la petite enfant qui regarde. Ici, c'est Manet, ici, la petite enfant. Et également, ici, je vais plus loin que l'impressionniste Bonnard, avec la porteuse à droite qui porte la pile de linge en traversant le verger. Donc, vous voyez, c'est un petit peu un... Et également, je vous montre de Bonnard, dans la suite, les petits orangers qui font écho à ceux que peignait Caillebotte. Vous voyez, dans la propriété d'hier, vous voyez Bonnard avec ce petit enfant qui joue au sable et qui, à l'arrière, vous voyez cette caisse qu'on rentre l'hiver dans les orangeries. Alors, un thème important qui a aussi attiré les peintres impressionnistes, ce sont les jardins publics. Les jardins publics, vous voyez ici la musique aux Tuileries de Manet, où lui se révèle justement non pas un peintre purement de jardin, comme je l'avais dit au début, mais il est attiré par les élégantes, par les personnages de l'époque, par les tenues, par les robes et les robes élégantes, quoi, la mode, et donc il se révèle un Parisien, en fait. Ici, vous voyez qu'au contraire, le même jardin des Tuileries, vu par Monet, est vu très différemment. Il est vu d'ailleurs en surplomb, probablement, d'un appartement de Choquet qui habitait rue de Rivoli, qui lui prêtait sa fenêtre. Vous voyez cette vue du surplomb avec les Tuileries, vous voyez la partie du Louvre, qu'il n'a pas oublié de montrer, évidemment, et toute cette vue. Alors, cette vue, depuis cet appartement de Choquet, a été aussi utilisée par Pissarro, qui a représenté très souvent le jardin des Tuileries, un petit peu en espace, et également l'hiver avec la neige. Alors, également, autre jardin public parisien avoir été peint par les peintres, le parc Monceau, vous le voyez ici, peint par Caillebotte, qu'on a pu appeler le jardin de l'époque d'Haussmann, de toute l'époque de Napoléon III, de tous les hôtels particuliers qui étaient autour, notamment l'hôtel d'ailleurs de René Saccard dans la Curée, et on l'a appelé la plate-bande du Paris Nouveau. Et ce parc Monceau, Monet y a aussi peint, vous en avez ici un tableau qui est conservé au Metropolitan Museum de New York, où vous voyez les petits personnages avec l'ombre et la lumière sur le sol. Alors à l'étranger, les peintres se sont même rendus dans les jardins de l'étranger, et là vous êtes à Londres, peint par Monet. Monet en 1870 a peint le jardin de Green Park, ces plages de verdure qui sont dans la capitale de Londres, et également le jardin de Hyde Park. Et puis un peintre qui a exposé aux dernières expositions impressionnistes, mais qui n'est pas impressionniste, c'est Gauguin, et vous le voyez ici, il avait épousé une Danoise, il est au Danemark, et là ici à Frederiksborg, dans le parc de Frederiksborg, il a fait ce tableau du jardin, tableau de jardin ou de campagne, enfin de parc, et il a évoqué le patinage, qui est évidemment tout à fait en accord avec la vie nordique. Dans les jardins publics, très souvent présence des nourrices, ici ce sont les nourrices de Vuillard, avec les petits-enfants qui courent, et ici je l'ai mis pour vous évoquer justement ce parallèle avec l'art décoratif, c'est un panneau de laboureur, un panneau décoratif qui est au musée d'Orsay, et où vous voyez que les jardins publics sont aussi l'occasion pour les enfants de tous les jeux, du cerceau, des jeux de ballon, des jeux de sable, des jeux de saut, des jeux des petits bateaux, enfin bref. Alors, dernier aussi lieu, comme un jardin public qui est très présent dans les peintres, notamment chez Berthe Morisot ou chez Manet, c'est le bois de Boulogne. Le bois de Boulogne qui avait été donc créé en pendant de Vincennes, du parc de Vincennes, il y a eu l'ingénieur Alphand sous Napoléon III qui avait créé tous ces parcs avec le parc Montsouris. Et ici, vous voyez ces plages de lumière aussi dans le bois de Boulogne. Et vous voyez ici cette toile de Manet qui montre cette élégante au bois avec les chevaux. Alors très souvent, on a aussi cette alliance du bois de Boulogne avec les chevaux, avec les équipages,
Alors, je vous lis pour mémoire un extrait, je vais le raccourcir d'ailleurs, de La Curée, de Zola, où vous voyez comment est évoqué le bois de Boulogne. Au retour, dans l'encombrement des voitures qui rentraient par le bord du lac, la calèche du marché au pas. À un moment, l'embarras devint tel qu'il fallut même s'arrêter. Le soleil se couchait dans un ciel d'octobre, d'un gris clair. Un dernier rayon qui tombait sur les motifs lointains de la cascade enfilait la chaussée, baignant d'une lumière rousse et pâlie de la longue suite des voitures devenues immobiles. Les lueurs d'or, les éclairs vifs que jetaient les roues semblaient s'être fixés le long des rechampis jaune paille de la calèche, dont les panneaux gris-bleu reflétaient les coins du paysage environnant. Vous voyez, c'était surtout le point de Boulogne vu de l'intérieur d'une calèche ou à travers une calèche, les encombrements de l'avenue du Bois, de l'avenue Foch. Et puis, il continuait en disant « Les voitures s'avançaient toujours au pas au milieu des taches unies, des taches sombres que faisait la longue file découpée, fort nombreux au bois par cet après-midi d'automne. Ensuite, je vous dis la fin, une brise se levait, le tiède après-midi d'octobre qui donnait au bois un regain de printemps avait fait sortir les grandes mondaines en voiture découverte et menaçait de se terminer par une soirée d'une fraîcheur aiguë. » Donc vous voyez tous ces allers-retours, les chevaux, vous allez aussi les retrouver sous la plume de Berthe Morisot qui, de la rue de Villejuste, la rue Paul-Valéry, donc, venait très rapidement au bois et venait très souvent terminer les journées, travailler à l'aquarelle avec sa fille, comme elle le disait ici. Donc vous avez un petit peu la vue des chevaux, également une autre vue de Berthe Morisot aussi, elle évoquait le lac, l'étang, les cygnes, les femmes assises sur les bancs au bois de Boulogne. Ici, vous voyez la peinture avec les toits également ici, dans les barques. C'est évoqué d'ailleurs aussi par Mallarmé quand il évoque Berthe Morisot. Il dit toujours qu'elle avait trouvé ce coin de verdure qu'il ne trouvait pas assez grand chez elle et qu'elle allait au bois de Boulogne terminer les soirées. Alors je vous montre un signe d'ailleurs, très magnifique. Également, thème plus tard de Henri de Moncrosse. Vous voyez un pointilliste et vous voyez comment il les dessine, autrement en dessin. J'ai un petit peu voulu m'amuser. Jardin botanique, jardin scientifique, c'est une catégorie que les peintres ont beaucoup aimé, allant souvent dans les jardins scientifiques. Les jardins, on l'a beaucoup dit pour Delacroix, qui est allé au jardin des plantes, également les jardins botaniques et les jardins scientifiques pour les fleurs. Alors, j'évoque celui de Rouen, le jardin scientifique de Rouen. Je suis d'ailleurs allée le voir. Vous voyez ici, il y a encore une serre avec aussi des très beaux nymphéas, ce qu'on appelle les nymphéas Victoria, qui sont comme des rebords hauts, comme un peu des moules à tarte, un petit peu curieux. Et j'ai voulu une lettre de Monet à Alice Monet pendant qu'il faisait ses cathédrales à Rouen. Il allait visiter le Jardin des Plantes et le 16 février 1893, il écrit « J'ai pu faire ma visite au Jardin des Plantes. Nous avons visité toutes les serres. C'est superbe. Quelles orchidées. Quant aux plantes pour les jeunes botanistes, il serait bon que les enfants me donnent une sorte de liste de genres et des familles qu'ils désirent. » Donc vous voyez que Monet, perdu dans ses cathédrales, obsédé de sa peinture, allait pourtant visiter le Jardin des Plantes à Rouen et avait souci de rapporter et d'envoyer aux enfants des caisses de fleurs, en disant justement des familles et des genres, et très souvent pour ne pas parler que de Monet, j'ai évité de le faire, mais très souvent dans ses lettres, il écrivait quand il partait à Rouen ou en Norvège, de bien penser à ses fleurs, d'arroser ses fleurs, de vérifier, etc. Vous en trouverez des extraits dans le livre que j'ai écrit. Et également, quand il était en Norvège, il disait qu'en Norvège, il y avait aussi des spécimens très particuliers de plantes et il voulait aussi en rapporter aux enfants. Donc vous voyez que les fleurs étaient toujours très présentes. Alors, nous sommes dans une atmosphère de serre et je vous rappelle aussi que dans la Curée, il y a aussi des peintures de la serre que René Saccard avait fait dans son hôtel particulier. Alors, jardin méditerranéen, jardin exotique et jardin tropicaux. Le jardin méditerranéen le jardin du sud le plus connu, un peu célèbre, c'est celui de Cézanne. Cézanne, qui est très connu pour ses montagnes Sainte-Victoire, pour tout son art magnifique, ses portraits également, un portrait, a habité, grâce à son père qui avait acquis une bastide, la bastide du Jas de Bouffant, comme on dit, qui était à 3 km un petit peu à l'extérieur d'Aix, qui existe encore. Vous en avez une vue actuelle ici, cette façade où on arrive, où vous voyez que sur la façade en haut à gauche,
il y a des grandes baies vitrées, et ce qui vous montre que son père avait laissé créer un atelier dans la maison, ce qui montre que son père, même s'il a été contre la vocation de peintre de son fils, lui a quand même laissé bien un espace dans cette bastide du Jade Bouffant. Je vous montre une autre photo. Vous voyez, c'est la même façade. Vous voyez ici encore mieux, au fond, en haut de la façade, les fenêtres de l'atelier qui ont été créées pour être l'autre. Vous voyez, on a interrompu le toit pour faire sortir une fenêtre très haute pour l'atelier de Cézanne, ce qui n'est pas rien de la part du père. Et vous voyez aussi les griffons, les sculptures qui sont dans les... Vous voyez cette allée de platanes qui mène à la Bastide, et ce qui montre justement que Cézanne a vécu non pas beaucoup parmi les fleurs, mais parmi les arbres, parmi les jardins. Voici on fait le tour de la façade qui est couverte de vignes vierges. Vous voyez ici la Bastide de l'autre côté, et de cet autre côté, vous avez ces grandes fenêtres, et vous regardez bien les volets et les fenêtres, et vous allez la retrouver dans certaines peintures. Encore l'allée des marronniers, avec aussi peinture de Cézanne, vous voyez, il a peint au Jade Bouffant jusqu'en 1899, au moment où il y a eu la mort de sa mère et où la maison a dû être vendue. Et c'est là où on l'a vu jeter d'ailleurs beaucoup de toiles. Et il est parti très très triste pour s'installer dans son atelier du Jardin des Louvres. Là, je vous montre encore une peinture de Cézanne. Vous retrouvez, voilà comment il voyait la Bastide que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous voyez ses murs, vous la retrouvez tout à fait avec l'allée. Et également ces arbres dans le jardin qu'il représentait également, peinture de Cézanne. Alors vous ne verriez plus cette peinture, comme on dit, c'est une peinture qui montre l'allée avec les marronniers, les arbres dans le Jade Bouffant, mais vous voyez à l'arrière-plan la montagne qui n'est maintenant pas visible du tout puisque Aix s'est construit. D'ailleurs le jardin est devenu très bruyant. Alors quand on se promène dans ce jardin, c'est un jardin qui n'est pas du tout ordonné et qui évoque aussi que Zola, ami d'enfance de Cézanne, s'y est promené, et on a toujours pensé que Zola s'en est inspiré pour le jardin de la Faute de l'abbé Mouret, le jardin du Paradou. Je vous lis un petit passage qui montre aussi une personnalisation des fleurs qui est assez amusante, faite par Émile Zola. C'est à propos des bassins qui ferment jardinière, et il écrit: dans un des plus larges, un coup de vent avait semé une merveilleuse corbeille de pensées. Ces fleurs en velours semblaient vivantes, avec leurs bandeaux de cheveux violets, leurs yeux jaunes, leurs bouches plus pâles, leurs délicats mentons couleur chair. Quand j'étais plus jeune, elles me faisaient peur, murmura Albine. Vois-tu les donc, ne se réunirait-on pas des milliers de petits visages qui vous regardent à ras de terre, et elles tournent leurs figures toutes ensemble. Vous voyez, c'est une personnalisation, comme si les pensées, les fleurs, les pensées, avaient une vision. Et vous voyez, comme des personnes, c'est une réponse aussi au texte de Maupassant sur la terre, où il la comparait à une jeune femme qui sort du lit de la nuit en enlevant sa chemise de vapeur. Ici, le bassin, qui évoque également ce que vous avez dit au départ, que les jardins sont mêlés à l'eau, le bassin du jardin du Jade Bouffant, qui n'était pas entretenu, qui maintenant vient d'être restauré. Vous voyez avec les sculptures du dauphin, je vous montre aussi la petite sculpture avec le lion, les petits bassins. Et il y a des fontaines, comme à Aix-en-Provence, dans le Jade Bouffant, il y a plusieurs fontaines qui ont été remises en marche. Et ici, dernier jardin, alors très abstrait, qui évoque justement ce que voyait Cézanne dans son dernier jardin, des taches un petit peu tachistes, un Cézanne très moderne. Alors, jardin méditerranéen et exotique, qui a été vu par Monet, c'est à Bordighera, il est allé se promener sur la Riviera, là aussi où Maupassant se rendait souvent. Et dans ce jardin exotique, il a peint justement ces villas, ces grandes villas de Garnier. Et ce tableau est au musée d'Orsay, 2 mètres sur 2 mètres, toujours le même format de ces grands panneaux décoratifs qu'il avait fait pour Berthe Morisot, qui lui avait demandé un tableau pour son salon. Et Monet a repris dans l'atelier de Giverny un tableau qui est conservé au musée de Santa Barbara, un tableau plus petit, où il a repris ce thème en disant justement ça sera très décoratif. Et il l'a offert, je vous montre le salon d'Agathe Rouard quand elle était plus jeune, dans les années 60, et vous voyez qu'au-dessus de la porte, vous retrouvez chez Agathe Rouard Valérie, vous retrouvez le puisque c'est une descendante Rouard qui a épousé Paul Valéry, il y a eu un croisement, et vous voyez ici la peinture au-dessus d'une porte qui a été conservée. Je vous la remontre à nouveau. Alors également, je vous la montre parce que, clin d'œil, vous voyez au fond à gauche une maison rose à volets verts dans cette peinture de Bordighera. Il y est allé en 1884, au moment où il venait de s'installer à Giverny.
Or, ces maisons roses à volets verts, il en avait aussi vu à Amsterdam. Là, c'est une peinture de Monet qui représente les maisons sur les canaux à Amsterdam, où il parle des maisons roses à volets verts sur les bords des canaux à Pissarro. Or, vous voyez, très curieusement, peut-être que Giverny, sa façade rose à volets verts, elle a une origine dans les maisons d'Amsterdam et dans la maison, les maisons qui sont à Bordighera. Également, jardin méditerranéen, c'est le passage de Berthe Morisot à Nice. Elle va sur le cimier, elle représente sa fille sous un oranger et elle écrit dans ses lettres qu'elle est très contente de vivre au pays des orangers, des mimosas, et elle apprécie beaucoup cette période. Elle y retourne d'ailleurs plus tard à plusieurs reprises. Alors, jardin imaginaire ou jardin d'imagination, on ne peut pas vraiment dire que dans cette catégorie de jardin, les impressionnistes aient brillé, ils ne s'y sont pas vraiment intéressés. Celui qu'on nomme toujours comme un jardin d'imagination formidable, c'est le douanier Rousseau, qui n'est pas impressionniste, qui est après, qui était dans le jardin de la mère du peintre Robert Delaunay. Cette femme possédait avenue Georges V, une très belle hôtel parking, un très beau jardin, un très beau appartement où il y avait une sorte de jungle. Et on a pu dire que c'était l'origine de la charmeuse au serpent du douanier Rousseau, qui est conservé au musée d'Orsay. Alors, jardin de pierre, c'est un peu étonnant. Le jardin de pierre, c'est plutôt au Japon que nous les trouvons. C'est là où ils s'en donnent à cœur joie. Mais très curieusement, sans le savoir, Monet a peint un jardin de pierre. J'ai très longtemps regardé ce tableau de Venise, du palais Manzoni en Garonne, qui est d'ailleurs magnifiquement reproduit ici, sans ciel, avec cette gondole arrêtée. Du seul séjour de Monet à Venise en 1908. Et j'étais d'ailleurs un petit peu intriguée par la ligne rouge sur le balcon et tout. Bon, je savais bien qu'il y avait quelquefois des nappes, mais alors un jour, je suis tombée sur ce poème d'Anna de Noailles, et qui était très présente, puisqu'elle était liée avec la princesse de Polignac, Vinaretta Singer, qui habitait donc très près de la maison d'Anna de Noailles, qui était rue Schaeffer, elle. Et elle a dû aller à Venise, et voilà ce qu'écrit Anna de Noailles dans un poème. « Ah, la douceur de voir dans un matin d'automne, sur le feuillage vert et rougeoyant, que la chaleur d'argent éclabousse et sillonne les volets peints en noir du palais Manzoni. » Vous voyez, donc on pense que, bon, et qu'il le palais Manzoni. « Ah, quelle paix ici, dans ce jardin de pierre, sur la terrasse, où traîne un damas orangé. » Alors, ce poème est 1909, et en effet, on comprend que la petite ligne rouge-orange qu'on voit sur le balcon, c'est pour que les Vénitiens puissent regarder le Grand Canal et accouder sans abîmer leurs vêtements. On mettait ces petites nappes, comme elle l'appelle, une nappe de damas orangé, qui étaient ces petites bordures de tapisserie qui permettaient, ou de soie, qui permettaient de pouvoir reposer les bras et de regarder le spectacle des bateaux, des gondoles, des régates quand elles avaient lieu. Alors, jardin de pierre, il y a aussi évidemment un autre endroit, ce sont les tombes. Les tombes qui deviennent des pierres, des tombes de pierre dans les jardins, le plus célèbre étant celui des Aliscamps, où vous en avez une vue à l'écran. C'est plutôt Van Gogh, qui est plutôt post-impressionniste, qui en a laissé le souvenir, qui nous fait évoquer le thème de Maurice Barrès, le jardin de Bérénice en 1891. Voilà ce qu'écrit Maurice Barrès. « Aux Aliscamps, un de ces soirs, mes années écoulées me parurent pareilles à ces sarcophages vides qui bordent sous des platanes cette mélancolique avenue. » En fait, cette mélancolie, on a pensé qu'elle était présente chez Van Gogh. C'était les dernières années, juste avant qu'il ne se tue à Auvers, un ou deux ans plus tard. Et on a pu penser que justement, il allait se promener aux Aliscamps. Vous voyez, voilà deux thèmes. Et qu'il avait cette idée de la grande allée, des grandes jardins de pierre, de ce jardin de pierre, de ce jardin très curieux lorsqu'il était au sud. Et également, il en avait décoré la chambre de Gauguin quand il l'a reçue. Et Gauguin lui-même, ici, on a laissé une vision de ces Aliscamps. Évidemment, le texte le plus connu est le texte du poète Paul Jean Toulet, qui avait écrit dans Arles où sont les Aliscamps quand l'aube est rouge sous les roses, éclaire le temps. Prends garde à la douceur des choses lorsque tu sens battre sans cause ton cœur trop lourd et que se taisent les colombes, parle tout bas si c'est d'amour au bord des tombes. Donc les Aliscamps ne sont pas vus toujours comme une allée si mélancolique comme par Maurice Barrès, elles sont aussi lues comme un autre paysage. Vous avez aussi Gauguin ici
et Gauguin avec les Arlésiennes aux Aliscans. Alors, les jardins d'éternité, jardins de paradis, ce sont aussi vraiment les cimetières. Vous avez ici, je vais vous en montrer quelques-uns, la tombe de Caillebotte qui est au Père-Lachaise. Donc, vous voyez que les peintres eux-mêmes terminent dans un jardin de pierre. Vous avez ici le plan du cimetière de Passy que je vous montre ici et vous voyez que c'est un jardin un petit peu comme des plates-bandes avec les divisions qui font une construction et que finalement si les enfants jeunes vont dans des jardins d'enfants, les Kindergarten allemands, on voit qu'ils terminent aussi leur vie, certains sans savoir que c'est vraiment un jardin et il y a des jardins très émouvants, notamment par exemple le jardin du cimetière russe, je l'évoque, le jardin de Sainte-Geneviève où je crois qu'en Russie on met toujours des arbres, on plante toujours des arbres dans les cimetières pour que les oiseaux viennent se poser. Et c'est vrai que dans les cimetières russes de Sainte-Geneviève, vous entendez le chant des oiseaux très souvent. Et ici, j'ai d'ailleurs eu des amis écrivains qui m'ont dit qu'ils allaient se promener dans les allées pour écouter le chant des oiseaux. Ici, vous avez la tombe de Manet de ce cimetière de Passy. Elle abrite une tombe très célèbre de peintre. Elle habite la tombe de la famille Manet. Dans cette famille Manet, le premier qui est descendu dans cette tombe, c'est Édouard Manet, qui est mort en 1883, alors que Monet venait de s'installer à Giverny, et qu'il est reparti à Paris pour tenir le cordon du poil, comme il l'écrit. Et là, dans cette tombe, est descendu ensuite Eugène Manet, le mari de Berthe Morisot, qui est mort vers 1891, et Berthe Morisot elle-même, qui est morte très jeune, à l'âge de 50 ans, 52 ans, en 1895, d'une grippe mal soignée, et donc... Dans cette même tombe, vous avez les deux frères Manet et Berthe Morisot au cimetière de Passy. Elle est à l'entrée du cimetière de Passy et vous voyez ici le... Alors, autre tombe que j'ai voulu vous évoquer parce qu'elle est liée à Monet, c'est la tombe de Camille Monet. Camille qui est morte pendant la période de Véteuil. Si vous allez à Véteuil, vous trouvez dans le cimetière de Véteuil, tout près de la collégiale, la tombe de Camille. Monet, lui, est enterré à Giverny. Il a été question à un moment du transfert au Panthéon, mais il est enterré dans une tombe où il y a toute la famille aussi de sa seconde épouse, Alice Monet, toute la famille recomposée. Et je crois que Giverny entend bien garder la tombe avec la plaque de Monet, née le 14 novembre 1840 et décédée le 5 décembre 1926, regrettée de tous. Et là, pour terminer, voulant pas vous laisser sur des tombes, j'ai préféré sauter un peu quelques années et vous montrer une peinture de Maurice Denis qui vous montre la peinture au paradis. Là encore, jardin de peintre, c'était au Silencio, dans la propriété de Perros-Y, où il montre un jardin qui donnait sur la mer et où il montre la danse des enfants comme une danse des anges. Et en fait, c'est une évocation un petit peu dans la lumière du jardin qui a non seulement le jardin de pierre, le cimetière, et les jardins qui nous attendent, le paradis céleste. Des molles, le monde des justes, et dans les jardins, je crois que dans la région musulmane, on appelle ça les jardins de paradis, certaines mosaïques des peintres. Voilà, je vous remercie. Chère Sylvie, mille merci. Sachez que nous sommes conscients. Nous sommes conscients de la chance de vous avoir avec nous. Parce que non seulement vous nous apportez tant d'années, une lumière, votre génie, vous apportez tant de lumière avec vos expositions, je me souviens. Le musée d'Orsay, c'est elle. Parce que le musée d'Orsay a été, les grandes expositions du musée d'Orsay, c'est vous, et je me souviens vraiment de ces premières grandes expositions que vous avez organisées. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous savez, vous nous avez apporté vraiment un réconfort dans les temps difficiles, avec les couleurs, avec la lumière, et nous avons tiré une conclusion très simple, qu'il faut jardiner maintenant. Il faut faire des jardins, chez nous, différentes sortes de jardins. Et une autre chose que je tiens à vous dire, vous savez, Sylvie, non seulement elle compte bien, c'est une grande organisatrice des expositions mythiques, mais aussi elle écrit d'une manière extraordinaire. Elle a porté un livre édité vraiment avec beaucoup de soin, je parle sous votre contrôle,
Et si vous voulez la remercier, venez la voir et vous pouvez avoir ce livre dédicacé. Et puis, la dernière chose pratique. Vous savez, certains gens qui sont venus à la conférence n'ont pas rempli le petit papier rose avec les mails pour que vous receviez les mails pour les futures conférences. Vous serez bien gentils de remplir ces papiers. Et prochaine conférence, c'est bien le 1er septembre à 18h ici. Vous avez une sorte de mélange de génie et de lumière avec Sylvie. Vous allez avoir un mélange de James Bond et John le Carré, puisque c'est moi qui va raconter avec mon accent les successions au Kremlin. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais simplement terminer cette soirée en vous remerciant, en remerciant en particulier Madame Patin, en remerciant Vladimir et tous, à vous tous d'être venus. Et à titre personnel, je vous recommande de revenir le mardi 1er septembre parce que cette fois-ci, Vladimir sera le conférencier. Et je pense que vous viendrez tous nombreux. En plus, avec l'actualité sur la Russie en ce moment, je pense que vous aurez beaucoup à nous dire et à nous apprendre. Absolument. Bonne fin de journée et à bientôt à vous tous. Et mille merci à vous, monsieur, madame le maire. C'est vous. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que le livre est publié par, en fait, c'est les éditions des Falaises, qui sont une maison d'édition normande, qui est ici à Rouen. Voilà, soyez le bienvenu. À la dédicace. Bon, Sylvie, bravo. C'était magnifique.